Hey yo les gens, c'est Chaumanimine, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel, comme d'habitude. Donc on se retrouve sur GTA 5 Next Gen pour une vidéo bug. Donc là je suis en train de customiser une winner. Et donc au moment de mettre des vides teintées, je vois que quand je mets limousine, il n'y a pas que les vides qui sont touchées. Je vois que la barre où c'est marqué winner ici, quand je mets vitre teinte limousine, elle devient noire. Alors pour moi c'est pas normal parce que ça fait partie de la carrosserie ça. Alors ça pourrait s'arrêter là, mais quand je mets limousine, les clignotants ici que vous voyez sur les côtés à l'avant, ils deviennent noirs aussi. Alors je sais pas si c'est un bug ou pas, mais pour moi c'est pas normal. Et même à l'arrière, il y a une partie du phare qui devient noire. Mais là on voit moins bien. La partie du phare qui est là et là, elles deviennent noires quand je mets limousine. Donc pour moi c'est pas normal ça. Ça devrait engendrer que les vitres quoi. Quand on met teinte noire, c'est juste les vitres. Pour moi ça devrait pas être autre chose. Pour moi c'est les vitres et ça devrait pas être des parties de la carrosserie. Là par contre pour moi les clignotants ils sont innocents hein. Je vois pas le rapport entre les clignotants et les vitres, à part que ce soit du verre dessus. Mais je vois pas le rapport avec la carrosserie et les vitres. Normalement quand on met vitres teinte noire, il n'y a que les vitres qui se teintent en noir quoi. Après je sais pas si c'est un bug ou quoi. En tout cas bah, je vais les laisser d'origine. Et puis bah, j'ai déjà fini de la custom. Donc voilà, c'était une petite vidéo bug. Bah, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Parce que pour moi, c'est un bug. Mais après, c'est peut-être normal. Mais en tout cas, je me souviens pas que sur PS3, ça faisait pas ça. Sur PS3, j'avais mis exactement la même dans le garage avec Franck là. Donc là, je suis avec Mickaël. Ici, je suis avec Mickaël. Et j'avais. À chaque fois, moi, je mets les vides noires parce que je trouve que ça fait mieux. Et j'avais fait sur PS3 et le ruiner il reste comme il est quoi, parce qu'en plus ça fait classe quand même. Le nom de la voiture sur le côté ça fait un petit côté assez classe. Donc dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires de ce petit bug. Donc je sais pas si c'est un bug ou si c'est normal. Enfin en tout cas moi je pense que c'est pas normal. Donc dites moi ça dans les commentaires. Mais en tout cas moi je vais vous laisser sur ces images. D'ici là bon game et ciao tout le monde.